Tu vois cette rue sens unique, sauf pour les vélos. Tu le vois grâce au marquage au sol. Du coup, on tourne à droite. C'est bien, il s'applique sur les contrôles, Robin. Donc tu vois, je crois que je t'ai fait passer par là hier, mais ça, c'est vraiment des rues en centre-ville où on passe tout le temps en permis, quoi. On n'est pas passé ici hier? Non. Ah non, elle est connue celle-là. Ah oui, oui. T'as le centre d'examen à 8 minutes, même ouais. Pas. Et tu vois par exemple la voiture rouge là-bas qui se gare, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Déjà on peut imaginer quoi? Un piéton qui va sortir. Ouais. Toi qui es motard à la base, le coup de la portière qui s'ouvre. Donc tu vois, vu que t'es à sens unique, ben voilà, hein, tu vois. Alors évidemment il avait le temps le monsieur, il s'agit pas de devenir parano, mais au moins on a prévu, tu vois. Ok. Du coup. Bah du coup tout droit. Tout droit là? Non, tout droit là. Ah, c'est un rond-point. C'est pour ça qu'à la base, voilà, c'est un rond-point. Là, tu as juste un aménagement si tu tournes à gauche, un aménagement qui est prévu pour tourner à gauche. Mais vu qu'à la base c'est un rond-point, du coup, faut se dire tout droit pour droit, quoi, comme d'habitude. T'es sûr en troisième sur le Donan? Ah ouais, je pense pas ça. Ça va, c'est aussi les calmes. Ouais. Tu vas voir quand tu vas payer les réparations. Donc si on retient ce qu'on a dit hier, t'as vu quoi comme panneau de vitesse? 30. Ouais, ça veut dire que... Très bien. À partir de là, alors le but c'est pas forcément de rouler à 50, mais au moins tu vois de relancer un petit peu la voiture si on peut le faire. En gros tu cherches, hein, tu vois s'il y a du danger à droite, tu relances pas, mais si tu peux, tu vois t'accélères un peu. Voilà. Et ça pour un inspecteur c'est convaincant. C'est-à-dire qu'il voit que tu as compris que c'était 50. Et donc tu as joué avec ta boîte de vitesse, tant mieux. Et là tu vas où? Ah, là je peux aller qu'à droite. Donc rétro clignot déjà. Voilà. Comme ça on voit bien que tu as anticipé les choses. Impeccable. Allez, direction Féas. Ça passe, regarde, ouais. t'es plus léger que lui, un poids lourd, tu vois, il met vachement plus de temps à s'insérer. Ok, donc là tu restes bien sur l'axe principal. Ouais. Donc tu connais bien cet endroit. Départ du permis. Ok, du coup on va tourner à gauche. Voilà, et tu vois en ville les voies de stockage, si tu freines un peu avant, c'est pas très grave. Hein. C'est vraiment sur les grandes portions comme hier où on va vraiment freiner dedans. C'est quoi cette secousse? Ouais, j'ai lâché un peu trop vite. Donc ça tu vois, c'est ce qu'on disait hier. Si ça t'arrive, c'est pas grave. Hein. À la limite tu vas perdre un petit point sur les, sur les commandes, mais c'est tout. En soi, c'est pas grave. Tu vois, il vaut mieux y aller en deux. Pourquoi? Parce que là, t'es pas prioritaire. Donc, s'il y a quelqu'un, ah ouais, t'agiras mieux en deux qu'en trois, tu vois. Vu que c'est toi qui as l'obstacle, c'est très bien de t'être écarté après avoir contrôlé indiqué. La seconde, elle aurait été mieux. Allez, pareil, là tu peux relancer un peu plus fort, hein, tu vois. Vu que l'idée c'est de remonter à 50. Allez, au rond-point à gauche, comme ça on va aller revoir un peu les créneaux.
Et là, va pas trop vite parce que regarde, on va reprendre tout de suite à droite. Ok, on reprend tout de suite à droite ici. Tu vois, il y a des places en créneau là-bas. Ça me plaît. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'arrêter à côté de la voiture que tu voudras pour faire un créneau derrière. Ok. Tout ça, c'est des créneaux. Tu vois, le marquage, il est un peu vieux, mais. Moi, je vais avoir Tigris, moi. Si ouais, tu veux. Bien. Robin, il a pas tenu compte de ce qu'on a dit. Ah putain, j'ai pas eu pensé, je te dis. Un jour, tu vas entendre boum, tu vas te dire ah oui, finalement, j'aurais dû lui dire que j'allais m'arrêter. Allez, je te laisse gérer la manœuvre, on va voir ce que ça donne. Alors, ton impression? Non, je suis trop en écart. Ouais, donc tu peux rattraper, hein, du coup. Ok, donc du coup, continue à reculer, puisque tu as la place, tu vois. Vu que tu as la place, continue à reculer. Parce qu'une fois que tu as rangé le derrière de ta voiture, le devant, après, c'est assez simple, du coup. Par contre... le rétro, faut se retourner aussi, ok, ouais. Donc là vas-y, t'avances pour terminer, après tu vois les places elles sont quand même super larges, ça veut dire que eux, ils sont proches du trottoir, mais pourquoi? Finalement parce qu'ils se garent directement en avant. Ok, alors on va aller en refaire de toute façon, faut pas s'inquiéter. Là le truc c'est que attention quand même à l'aspect sécuritaire, c'est à dire que tu vois dans les manœuvres, alors je le dis souvent, mais en fait le but du jeu dans les manœuvres c'est pas forcément d'être super bon dans la technique, mais par contre de gérer la sécurité, c'est à dire que clignot surtout à l'avance, ok, vérifie bien autour de toi les angles morts, est-ce que tu l'as fait avant de braquer? Non. Non. D'accord, donc attention surtout à vérifier autour et seulement après prends tes points de repère. Okay, ok. Donc là, ce qui s'est passé, c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu as tourné un peu avant de reculer, ce qui fait que tu étais un petit peu en extérieur. Ok. Ouais, j'ai pensé en plus à reculer avant de tourner. Mais... ouais, mais de toute façon, on va aller en refaire un, tu vas corriger, tu vas voir que ça va mieux passer. Après, ce qui arrive aussi, c'est attention du coup, voilà, à pas faire que des rétros, c'est-à-dire que tu peux évidemment t'aider pour la distance, mais il faut quand même privilégier la vision directe ici. Okay. Ce qui peut t'aider après à la limite, c'est bon, là il n'y a pas de voiture derrière, mais à la limite avec l'appui-tête, tu vois, du milieu, il faudrait essayer de chercher presque au fond là-bas par exemple le volet blanc de la maison, tu vois, de les aligner en, ouais, fait, okay, en regardant derrière, ça va, okay, vachement t'aider. Okay, ok, je te propose de ressortir de là, on va essayer d'en refaire un tout petit peu plus loin là-bas. Ok, parce qu'encore une fois j'insiste, mais personne ne te demande de réaliser tes manœuvres du premier coup. Voilà, la preuve en est, c'est que tu n'as pas de point spécifique à ça sur voilà, pas de point spécifique sur les manœuvres. Voilà, bien l'angle mort. Très bien. Et tu vois, autant tu l'as vérifié une première fois, il n'y avait personne, autant là, boum, on va revérifier. Ok. Parce qu'il est utile l'angle mort si on le fait juste avant de partir. Allez, bataille de Citroën. Tu peux t'arrêter si tu vas à côté de celle-là, faire en... un créneau derrière, ouais, on va refaire. J'avais galéré tout droit comme ça. Ça, c'est de la triche, c'est pas un créneau. Vas-y, clignot à l'avance, j'insiste. Voilà. Ok. Allez, ne te stresse pas, pense à ce qu'on a dit. Voilà. Donc, recule, tourne, recule, tourne, recule, tourne. Deuxième point de repère à peu près. Si c'est bon, attention à reculer d'abord, tu me refais la même erreur. Ah ouais. Recule d'abord, regarde. Ah ouais, je vais être bête. Reculer, tourner, reculer, tourner, donc c'est rattrapable, tu vois. Serre-toi de la putain du milieu avec le logo Volkswagen là-bas. Essaye de les aligner. Vas-y, contre-braque. Très bien, à fond, à fond, à fond. Tu vois, regarde. Ok, comme ça, première, on avance.
ok, là, d'accord. Donc tu vois, souvent aussi, ça va aider de regarder vraiment en vision directe, c'est-à-dire que là, l'appui-tête du milieu, si tu l'alignes, alors je te dis, avec le logo Volkswagen, ça peut être la plaque, d'accord, si tu arrives à les aligner, du coup, c'est vachement bien, ok. Vu que je suis joueur, on va refaire entre les deux, d'accord. Ok. Il faut combattre le mal par le mal. Ah ouais, t'as compris, moi, c'est bon, c'est... Voilà. C'est mieux. Voilà, il vaut mieux se retourner exact. Parce que tu vois, c'est un peu pareil. Là, on est vendredi, c'est les vacances. Et toi, tu passes le mercredi. Ouais. Mercredi, alors même si c'est l'après-midi, tu peux avoir des internes ou quoi autour. Des internes? Ouais, des internes, c'est à le lycée, là. En vacances? Pas pendant les vacances, justement. Mais la rentrée, elle sera le lundi. Et toi, tu passes le permis le mercredi. Oui, mais c'est mercredi des vacances. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, c'est pour ça. Bon, tu peux quand même avoir du monde. C'est moins crédible, mais c'est vrai. Allez, tranquillement, je te laisse refaire. Tu m'oublies. Personne te regarde. Tu fais gaffe autour. Donc là, c'est impossible de pouvoir rentrer. Parce que ton deuxième point de repère, c'est le rétro hauteur du cheveu. J'ai oublié ce repère-là. Regarde, on va se le refaire en décortiquant tout ce qu'on fait. Attends, je sors. Voilà, repositionne-toi, on va le découper en trois, ça va marcher. Je te rassure, tout le monde galère sur les créneaux. Hein. Regarde, avance un peu plus, avance encore un peu plus, tu vises loin là-bas la voiture. Ok, donc là par contre, j'ai pas du tout entendu le clignot. Donc vas-y, mets-le. Ok, marche arrière. Voilà, donc parle-moi de ton point de repère. C'est quoi ton point de repère? Le feu au niveau de ce rétro. Direct? Ça, c'est non, pas le deuxième. Direct. Le premier, c'est? C'est le feu. Le feu en bas à droite de la vitre, ouais, d'accord? Donc tu l'as déjà. Ouais. Ok, là, il faut que tu fasses gaffe, c'est entre deux voitures, donc ça veut dire que ton point de repère, il est là. Ça veut dire que déjà, tu vas devoir reculer, tourner, reculer, tourner. Ok? Donc tu fais gaffe autour de toi, d'accord, qu'il n'y ait personne. Essaie de reculer, tu vois, tu tournes d'abord. Recule. Ah, je d'abord. Recule d'abord. Ouais. Recule, tourne, recule, tourne. Ça va moins bousiller les pneus et puis ça va être plus précis dans la manœuvre. Voilà, recule, tourne. Tu vois, à fond les mains, à fond. L'allure, elle est très très bonne. Et ton deuxième point de repère, regarde, c'est juste quand le rétro, il est à hauteur du feu, d'accord? À peu près ici, tu vois, ils sont sur le même alignement. Donc, vérifie bien autour de toi. Et tu vois, regarde, ça, c'est un défaut. C'est-à-dire que tu veux déjà tourner, ah mais ouais. Tu vas être sur la route, ok? Alors, on va juste reculer, et dès que ça part, tu contre-braques. Vas-y, à fond. L'autre côté. Non. Ah ouais, non. Voilà. Allez, on surveille derrière. C'est rattrapable, regarde. Ok, parce que tu vois, dans le rétro, on croit qu'elle est loin, la voiture, alors qu'en fait, elle est quand même assez proche. Recule un peu plus. Et regarde la différence. Vas-y. Ok. Là, du coup, première. Là, tu es appuyé sur le trottoir, c'est ça? Ouais. Enfin, contre le trottoir. Si on est dessus, c'est pas bon. Mais là, du coup, il y a juste à avancer. Voilà, à fond les mains. Avance encore un peu. Ok. Marche arrière pour égaliser un peu les distances. Voilà. Ok. Et donc là, on immobilise, point mort, frein à main, et on est bon. D'accord? Alors, c'est normal, au début, tu vois, on a un petit peu peur. On a tous envie d'abord de tourner le volant parce qu'on a peur, en fait, d'accrocher ou d'être trop proche. Alors que si tu tournes et tu recules, vu que tu bouges les roues de devant, tu vas forcément être en extérieur de la place. Alors qu'en fait, il faut reculer et tourner. Et dès que tu as le deuxième point de repère, c'est-à-dire le rétro au feu, à peu près, d'accord, on n'est pas à 2 cm près, reculer contre-braquer pour vraiment être dans la place. Si tu tournes d'abord, vu que tu bouges les roues de devant, tu vas forcément être en extérieur. Tu m'as suivi? Ouais. Donc ça veut dire que du coup, il vaut mieux, dès que tu sens que ça recule, contre-braquer en fait, tourner de l'autre sens. Okay. Okay. Parce que tu vois, quand on a eu la première manœuvre que tu as faite, le rétro, il était beaucoup trop éloigné en fait du feu. Ouais, c'est-à-dire que si c'est un peu, c'est pas grave, si c'est beaucoup, ça peut plus rentrer. Ça marche? Ok.